quelques règles complémentaires. Au début de chaque point, l'équipe qui reçoit indique qu'elle est prête par l'intermédiaire de son capitaine. De la même manière, l'équipe qui attaque indique qu'elle va démarrer le point après avoir vérifié que l'ensemble des joueurs sont eux aussi prêts. La touche. Le long de cette ligne rouge, nous allons voir que la joueuse est à cheval sur la ligne de touche, mais son premier pied d'appui était dans le terrain. Elle peut continuer à jouer. Le long de cette même ligne de touche rouge, cette fois-ci, le premier appui va être hors du terrain. À ce moment-là, la joueuse ne peut continuer à jouer, il y a changement de disque. Pour marquer, le long de cette ligne jaune, nous voyons que là, le joueur est à cheval, mais son premier appui était hors de la zone de marque. Il ne marque donc pas le point. Ici, il va prendre impulsion et retomber directement les deux pieds dans la zone de marque. Le point est validé. Une joueuse verte lance le disque. Il y a réception simultanée. À ce moment-là, on laisse l'avantage à l'équipe qui avait le disque. La joueuse peut annoncer arraché si le joueur bleu essaie de lui arracher et reprend la possession du disque pour continuer le jeu.